Je suis ingénieur informatique système de formation. J'ai été chef de projet en entreprise et aussi formateur en entreprise. Il y a 20 ans, on a découvert un cancer extrêmement invasif où j'étais condamné à délai de 6 mois. Résultat, je me suis battu, j'ai réussi, j'ai gagné la guerre contre ce cancer au bout de 14 ans, mais j'ai eu quelques dommages collatéraux qui m'ont versé dans le milieu du handicap. Donc pendant cette période compliquée, à de nombreuses reprises, j'ai eu des interventions chirurgicales qui ont fait que j'ai côtoyé de très près les équipes soignantes, d'une humanité extraordinaire, mais aussi présentant déjà à l'époque des difficultés, des besoins et aussi des axes d'amélioration. C'est ainsi que moi j'ai décidé, quand j'ai été guéri, de m'investir dans le milieu associatif de la santé pour pouvoir améliorer les conditions des patients et des équipes soignantes, bien sûr. Puis, depuis quelques années, je suis président de plusieurs commissions des usagers de centres hospitaliers en Ille-et-Vilaine et membre de plusieurs instances à l'ARS, dont la conférence régionale sur la santé et l'autonomie. Les groupements hospitaliers de territoire sont des structures régionales qui regroupent l'ensemble des hôpitaux publics d'un même territoire de santé et qui ont surtout une mission, mutualiser les moyens de plusieurs établissements publics de santé sur un même territoire afin d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité à l'ensemble de la population de ces territoires. C'est une mise en commun de moyens et de compétences pour réduire les inégalités de santé et aller encore plus loin dans la prise en charge des patients, donc aussi de favoriser l'innovation. On a réussi à mettre en place une vice-présidence représentant l'usager au sein du GHT. Concrètement, pour les patients, cela peut impliquer un parcours de soins coordonné, notamment pour la réalisation des examens, cela étant permis par un lien étroit entre les établissements.